Pascal Couchepin songe-t-il à prendre sa retraite ? Des bruits de couloir affirmant que notre ministre est très fatigué, il se pourrait effectivement que Couchepin démissionne. Pascal Couchepin, notre Pascal, fournisseur officiel de la soupe depuis sa création, sans qui nous ne sommes rien, et Lambiel encore moins que rien, notre Pascal voudrait nous quitter. L'idée nous est insupportable. Voilà pourquoi j'ai décidé de lui dédier la petite chanson qui va suivre, et qui en l'occurrence est une prière, un cri d'alarme. Je serai accompagné pour cela par Madame Sandrine Viglino, pianiste officielle de la chorale mixte de Bourg-Saint-Pierre, et par Monsieur Laurent Flutsch, premier triangle à l'orchestre philharmonique de la Pinte de Saint-Saphorin. Ah, Pascal. Ne nous quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps où on tapait dessus et le temps perdu à traiter de gland. Oublier ces heures qui blessaient parfois à coups de quoi-quoi. Ton cœur de seigneur ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Nous éviterons de te faire passer ces promis jurés pour un sombre couillon. Nous ne dirons plus rien, tes erreurs de français, et troquerons au niais l'académicien. Nous ferons de rechef un pays pour toi, où tu seras la loi, où tu seras chef. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Oui. Monsieur Flutsch. Oui. N'en faites pas trop, quoi. Ne nous quitte pas, on va plus se moquer, on va plus trahir, on se cachera là à te regarder, hurler, maudire, et à t'écouter, penser, réfléchir. Laisse-nous devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de tes pieds, l'ombre de ton nez. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas.